Lep pozdrav z Bleda. Un bon bonjour de Bled en Slovénie. Je suis Neja, je suis guide local à Bled et aussi en Slovénie. Et je vous dis bonjour aussi au nom de l'association des guides locales slovènes qui s'appelle Argos. C'est une association qui aussi a des guides qui parlent français. Voilà, on est là, on vous attend. Et c'est une association qui relie tous les guides avec les épreuves. On a toutes les attestations nécessaires pour vous guider, pour vous donner une expérience formidable de la Slovénie. Et pour notre symbole de notre association, on avait choisi une petite fleur qui est très typique pour la Slovénie. C'est un œillet. Voilà. Quand vous allez voir un symbole comme ça, qui est un symbole des locaux, avec notre map, c'est nous. Ce sont les guides locaux de la Slovénie. Et dans le temps du coronavirus, bien sûr, on reste chez nous. Voilà, j'ai de la plaisir de rester chez moi dans mon jardin avec un petit vue sur le lac de Bled que vous voyez là, avec l'île de Bled. Et voilà, c'est une bonne place à y rester. Et chaque jeudi, voilà, chaque jour, on vous prépare un petit programme dans plusieurs langues. Et chaque jeudi, c'est à nous. Alors, les francophones. On a plusieurs guides et on va vous parler des particularités de la Slovénie. Voilà, comme vous voyez, il n'y a pas mal à voir. On a plein de montagnes dans la région de Gorinska. On a plusieurs lacs. Mais sinon, il y a aussi plusieurs autres paysages à voir et plusieurs personnages historiques à rencontrer. Alors, d'abord, pour le commencement, la semaine prochaine, je vais vous parler sur de Kozolec, qui est un objet très typique pour l'architecture slovène. Et puis, mes collègues vous parleront, Kria va vous parler un peu des temps de Napoléon à Ljubljana, qui est assez curieux. Après, il y a ma collègue Ina qui va vous raconter quelque chose sur les dragons, parce qu'on adore nos dragons, ça vous allez voir. Et aussi sur les argonauts. Qu'est-ce que les argonauts ont à faire en Slovénie? Mais c'est beaucoup. Et après, ce sera Spila qui vous présentera aussi Bled. Pourquoi Bled n'est pas un Bled? Voilà, je suis très contente de vous saluer et à bientôt!